Ok. Que brutta sei. Il regarde un peu comment c'est et tout. Fait même pas de zoom Ok, pour voir les non, quella véhicules. è la mia strat. Io devo andare. Dove minchia vado? Alla gun vado. A Il fare cherche où la est-ce gun. qu'il veut aller. Joueur manette, les gars. Vous pouvez le voir à son Magari dovrebbe déplacement de essere. curseur. I don't know, man. Ok. Il va aller là. Il va Bruttissima faire quella lagoon della cette mia. loop. O village. T'as à dire que. C'est du stress et c'est un kid hein. 22 ans les gars, 22 ans il a tout gagné. Eh, je connais que des insultes moi en italien donc je vais éviter de parler italien là. Finestra, c'est-à-dire fenêtre, c'est le seul mot que je sais dire qui est pas une insulte. Putain, c'est pas terrible. Sortez-moi votre meilleur mot italien, chat. Ah ouais. Ah ouais, chat. On en est. Potrei essere free. Ah, c'est comme ça. Suis mort, putain. No, però il frame lag ora no, raga, cioè. Vous êtes des tarés, chat. Bon, allez, on va regarder un peu de quoi il est capable. Déjà, il spawn lagon. Je me sentirais tellement pas serein dans cette zone. Avec toute l'eau et tout, tu peux pas glisser. Merci, Lark, c'est gentil, gros. J'ai l'impression que il a l'impression qu'il est seul. Tessera. Il est concentré. Ah, il se balade juste avec son pistolet. Il est plutôt serein sur ce qu'il y a autour de lui. Sur ce qui est possible. Ok, il a une super arme pour se défendre au corps à corps. Test. Vous avez le son, vous aussi. J'ai mis à fond son son. Je peux pas plus, chat. On verra. Ok. C'est mieux là. Imagine, t'as 20 ans, tu joues aux jeux vidéo, t'annonces à tes parents, t'as gagné 120 000 balles. Et déjà, s'il est joueur professionnel à 22 ans, c'est-à-dire que ses parents, ils ont été assez cool, tu sais, pour l'autoriser à faire ça, tu vois, et le pousser là-dedans. Donc dans tous les cas, ils vont être contents, ses parents, mais c'est, genre, c'est full mérité, tu vois. La tessera, Là, je pense qu'il a qu'une seule envie, ancien c'est trop. bastardo, sai. Putain de bâtard. Ok, il a pas besoin du jeton de redéploiement Goulag. Là, il cherche. Voilà ce qu'il cherchait. Il avait besoin de 1000 balles. Par contre, les couilles qu'il a de se balader comme ça et de looter et tout, de faire sa petite game en mode. La vie est cool, tout. Oh, livraison express. Oh, incroyable. Oh! 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 Il sait qu'il a clear ce secteur, du coup il recule direct bien à ce secteur. Il a le largage sur lui. Il clear vraiment tout bien. Oh, il est serein quand même, hein. Hop, il prend le loadout. Du coup, on est sur des paralysantes. Paralysantes avec. Avec termites. Vous imaginez le nombre de personnes, du coup, de joueurs pro, qui ont dû. Avec un petit AMP.
Non, mais vous imaginez le nombre de joueurs pro, les gars, qui ont regardé mes lives pour justement comprendre comment est-ce que ça marchait, les paralysantes, le bouclier, le style de jeu, avec des syntaxes, excusez-moi, chat. Hop, il prend le truc, petite rotation. Il va se diriger peut-être vers son autre loadout. Il est serein, hein. Il est tout au sud de la map, il doit faire une rotation à nord. Je le sens plutôt serein, hein. Il est concentré dans la partie. Bam, il atterrit tranquillement. Il clear absolument tout, style de jeu très propre. Donc là, ça c'est le moment extrêmement stressant. Et il a la méta parfaite. PPSH. PPSH avec un bouclier. Il peut juste pas espérer mieux. Du coup, il est en train de se balader, tranquille. Malin. Il va temporiser. Il va temporiser dans cette maison. Comment est-ce que tu comptes jouer, mon grand? Io, Il regarda, va. il mio scopo è prendere quella macchina lì, En gros, il a. vedere dove chiude la safe più o meno e cercare di andare in safe con la macchina, perché tanto, regà, fidatevi, non credo che la macchina me la lasi, no? Il est pas en train de miser sur le fait d'aller direct en centre zone à la position finale. Il est en train de miser sur le fait qu'il va avancer zone par zone. Devo fare il self ancora? Le... C'est possible de faire ça zone 1, zone 2, Potrei anche provare a peut-être mettermi zone qua, 3, ma io ho paura che ci sia gente. mais zone 4 et 5, c'est impossible de faire ça parce que tu es forcément attendu sur des power pause et tes rotations deviennent impossibles. Mais il profite de la zone 1 et 2 pour faire ça. Et gagner des places, parce que mine de rien, il y en a certains qui vont vouloir se placer en plein centre. Et ils pourront pas se placer en plein centre, les gars, parce qu'ils vont se faire intercepter par ces autres joueurs, justement. La maschera mi serve pure. Il fait pas un seul bruit. Il est discret, il est dans sa maison. On sait où pop la zone après. Raga. Mettiamo un ping indicativo. Tipo. Il met un petit ping qui va lui indiquer à peu près où est-ce qu'il a envie d'aller. Che ne so. Et hop, là c'est parti. La zone 2 est validée. Il est parti. Il fait extrêmement attention. Il se déplace uniquement avec la portière de Twingo. Il va pouvoir acheter une autoréa. Peut-être même un masque. Je sais pas ce qu'il va privilégier. Autoréa, il se dit que le masque il va le trouver. Et la voiture. Est-ce que ce skin de voiture vous rappelle quelque chose, les ultras? Est-ce que ce skin de voiture vous rappelle quelque chose? On va rien dire. On va aller, pour ceux qui n'ont pas vu, on va laisser continuer la partie. Et voilà. Non avete idea di quanto mi stanno sudando le mani. Ok, c'est parti pour une rotation. Senti capottare. Elle penche vachement vers l'avant. Là, il est en train de faire une rotation. Elle est risquée. C'est une rotation extrêmement rapide. En gros, les rotations, normalement, tu fais attention de passer par des endroits extrêmement safe. Là, il. C'est safe le chemin qu'il fait, mais à la fois extrêmement dangereux parce qu'il passe devant plein de fenêtres de maisons, il passe devant des zones où potentiellement il y a des gens. En fait, il mise sur le fait que il fasse sa rotation avant tout le monde et qu'il ait Non, 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 deviné non, avant tout le ragazzi. monde où est-ce que ça où va se finir la zone. Et c'est très bien joué parce que même moi je suis arrivé après lui. Même moi je suis arrivé bien 30 ou 40 secondes après lui. On dirait pas au vu de son style de jeu du début, mais sa rotation est extrêmement rapide. Il est placé centre zone. Il est Ah, bien. super. Maintenant, il sait qu'il a juste à temporiser et à Io protéger raga, son devo. territoire. La speranza mia è. Qualcuno mi pusha. Gli rubo. Mi serve la maschera. Fondamentale la maschera. No, non vinco senza maschera. Che non ho neanche le steam.
T'as. Et cette vidéo, évidemment, elle ira sur YouTube. Et là, j'aimerais vraiment savoir en commentaire ce que les gens pensent du fait que toute la communauté pro n'a pas aimé le style bouclier para que j'avais fait lors des premiers WSOW. Et que maintenant, absolument tout le monde et la méta WSOW est une méta bouclier fit une autre arme. Qu'en pensez-vous? Bon, j'ai juste inventé la méta des worlds, les gars. C'est rien de fou. Ok, il y a un autre véhicule. Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il tourne autour de sa maison? Il est con ou quoi? Oh, ce qu'il lui a mis! Oh, ce qu'il lui a mis! Wouah! Wouah! Je pète les plombs! Le mec n'avait aucune raison de venir le jouer. Hein. Il avait aucune raison. Hein. Des maisons, il y en a 8 là. Regardez en haut à gauche de la map. Toutes les maisons. Il est arrivé combien? À ce qui paraît, il a fait premier. Replay l'action? Mais va sur le replay. Bolos. Il y a le drapeau sur celle-là. Ouais, mais quand tu prends le drapeau après il se déplace à l'heure. Tu vas pas faire un drapeau à ce stade du jeu. Il attend, il temporise, il est bien. Tatanus! Tata! Roule Non riesco a tenere più il pad in mano, raga. Mi sta... Ciao, sono sottatissimo. Ti prego, oddio. Ah, fuck. Dovrei avere Tata! preso in sé... Ciao, raga. Fammi levare sto contratto, va. Allez, go. No, non la farò mai con la flag. Merci Fanny pour les 17 mois à Skyfall pour le sub gift. Du coup les gars, là, il a deux véhicules collés à son bâtiment. Qu'est-ce qui va se passer? Les gars, regardez ma tête. Blackface. Ah non, c'est Poker Face. Pas Blackface. Je te rends compte, putain. Metto il trophy sulla macchina, è vero? Là, les gars, il va se déplacer sûrement. Soit il attend que la zone arrive, mais il prend le risque que les gens descendent de la montagne. Cioè, 83 persone, raga, sono tutti in quelle case. Soit. Se vado ora, non riesco. Je suis gouré. Ma tanto, c'ho due macchine, raga, non è quello il problema. Propre le gameplay. Frérot, il temporise, c'est normal. On est dans une game où il y a 100 000 dollars sur la victoire. Heureusement que tu campes. Heureusement. No, no, raga, non sposto le macchine, non c'ho la scared. Non c'è, raga, la maschera, non c'è. Ce l'ha questo. Ouais, il a vraiment besoin d'un masque. Et s'il veut un masque, il lui faut 500 $ de plus avec un shop qu'il a juste à côté. Par contre, ça se voit que c'est un joueur pro Call No, of raga, non posso fare, raga. 73 persone, dans sa zénitude. En fait, moi personnellement, je serais avec le bouclier à la fenêtre, de façon passive, puis être agressive. Lui, il est tellement sûr de son shoot, de son aim, du fait qu'il va être sûr et certain de gagner son 1 contre 1. Que il fait ça. Fatemi giocare, raga, fatemi giocare. Guardiamo la prossima safe, vedo do dove potrebbe chiudere e cerco di flottare. Perché voglio muovermi prima che si chiude il gulag. C'è almeno una speranza di fare qualcosa. Il y a un livreur devant, lapin! Si quelqu'un entend, à la Chocorp. Un RPG est finito. Il temporise, les gars. Il temporise. Il prend son temps.
Il attend, les gars. Il est patient. Il est réfléchi. Tu m'as trop hypé pour le mode spec de Warzone 2. Mec, les gars, co comme je vous l'ai dit, s'il y a un mode spec qui sort sur Warzone 2, j'organiserai des tournois, mais incroyables. Des trucs incroyables. Une fois par mois, je prendrai un studio et tout exprès pour caster avec des copains, avec plusieurs personnes. Genre, une fois par mois, je vous régalerai, chat, une soirée. Fuori di testa giocare sta safe. Oppure vado late con la macchina. S'il y a le mode spec sur Warzone 2, il y aura moyen de faire des trucs de fou. Mais vraiment des trucs de fou, tu vois. Tu étais encore vivant là. J'étais encore vivant, les gars. À ce stade du jeu, j'étais encore en vie. Regardez, les gars. Regardez. Regardez là où il a le ping. Regardez là où il a le ping. Regardez. Vous voyez cette zone là? C'est la zone finale que j'avais deviné moi en zone à. À ce moment-là. No, Oh Dio non! mio! Oh, vabbè, good. Le masque à gaz. Non, il s'en bat les couilles du masque à gaz. Continue. Oh merde. Oh le stress. Ah là ça. Ah là ça chie un peu dans les gays, normal. Ok, il arrive. Attention, il arrive vers ma position. Regardez, moi je suis juste à droite. Je suis la voiture rouge à droite qui est en train de se battre un peu avec l'autre voiture. Lui, il a toujours le même gameplay. C'est il colle sa voiture. Oh là là, oh là là, oh là là! Oh là 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 là! Ah, 1 HP! 1 HP! Oh le push! Oh les grosses couilles! Las bolsas de las italianos! Es muy bigo! Tel un Ramón de Serrano, chat! Incroyable! Oh la paire de testicules! 22 ans, chat. 22 ans, le kid. 22 ans et une paire aussi. Ciao la maschera. Tiens, là, tu Bella la prends vita. en bouche, tu t'étouffes, frérot. Ok. Il est positionné, il attend. Et moi, en fait, à ce stade-là, les gars, pile là, j'ai été envoyé au goulag. Pourquoi? Parce que regardez, et on va pouvoir le voir sur sa minimap. Moi, j'étais avec l'autre voiture qui était là. J'étais en train de circuler dans cette zone-là, en me servant de la route pour me cover. Parce que là, il y avait une légère bordure, en fait. Et quand j'étais collé à cette bordure, collé passager, on ne pouvait pas me voir. J'étais positionné en fin de zone. J'avais les stimulants pour rester dans le gaz. J'avais une boîte de mun pour rester dans le gaz. Et j'avais un masque à gaz pour rester dans le gaz. J'avais tout pour faire une game incroyable. J'avais deviné la méta, j'avais deviné la zone, j'avais la voiture, j'avais tout pour gagner. Sauf que le joueur qui était là, dans cette maison ici, où il y a sa voiture qui a tapé parce que c'était sa caisse, il s'est dit, hey, ma maison, elle est plus si cool. Il est sorti de sa maison, le mec, il a fait le tour de ce caillou, et pendant que je faisais mon demi-tour ici, il m'a fumé dans la caisse. Du coup, je suis allé voir sa POV, au mec. Qu'est-ce qui s'est passé en suivant? Mais dans les 30 secondes qu'on suivit, les gars, il s'est fait. Il est mort. Et sa maison est restée vide. Et c'est là où je vous dis qu'il y a constamment besoin d'une part de chance dans ce genre de tournoi. Par exemple, ce débile profond, il serait pas vu me tuer, il serait même pas mort. Il aurait continué sa partie. Mais c'est trop d'aléas, c'est trop de trucs. Le mec, il a pété les plombs, il est venu me slay. Derrière, bah, il s'est fait canner. C'est la faute à pas de chance. Derrière, je fais mon goulag et vous savez ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis deg, mais pas trop. Genre, j'ai gagné mon goulag, j'ai deviné la méta, je me suis placé correctement. J'ai quand même coché pas mal de cases positives sur le truc. Perdu le goulag? Non, il a été gagné le goulag. Oh, tu m'as pris pour qui? J'en ai perdu deux des goulags. Et j'en ai gagné 4. Ça va. Le choix du largage, tu le regrettes pas? Pas un seul instant, frérot. Le seul choix que je peux regretter, c'est de pas avoir pris Sinueux.
Si j'avais pris Sinueux, j'aurais survécu dans la voiture. Mais je voulais mes 30% de vitesse en plus qui m'ont servi avant. Il y en a un, il s'est mangé un sale turn à la fin. Qui, USK? De qui tu parles? Dans cette game? T'aurais pas dû tenter la caisse, chaud. Mais t'es fou, j'étais obligé. Junior a mis un turn de ouf. Ah ouais? Enfin, je regarde ça, les gars. On va commenter ça, les gars, on va commenter ça. Je compte sur toi, Didier, pour cette vidéo, la mettre demain ou quoi. Ça pourrait être cool. Ok. Ok, il est dans la zone. Il est dans la zone, mais il a les pires maisons. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a les pires maisons? Regardez. Vous voyez? Là, il est sur le bord de zone. Et tout ça, c'est les clochards. Tous les clochards, ils vont devoir arriver et s'incruster. Et c'est les trois premières maisons sur lesquelles ils vont aller. Ce qui fait que ça va bouchonner, tu vois. Là, il a failli tirer sur le mec qui a pris ses classes. Mais quel intérêt de tirer sur le mec qui a ses classes, tu vois. Il va pas faire ça, le mec. Il y a aucun intérêt. Ça sert à rien. Le trophy, ça sert à... Oh! C'est WAM, ça! Ah non, c'est pas moi. Peut-être que si. Je sais plus où j'étais. Ah, 41! Ouais, c'est moi qui viens de mourir, c'est ça. 40? Ouais, c'est moi, ça! Yeah, boy! Voilà, là, il se fait attaquer. Là, c'est le bon... Là, c'est... Hop là, la paralysante qui part. Il contrôle direct. Oh là là, le push! Oh! Le positionnement est parfait, le contre-stuff est impeccable, sans cramer trop d'outils, bam, il contrôle sa position. Un premier clochard qui a été repoussé. Il a pas peur, il les attend les autres. Venez, il leur dit, venez, je vais vous faire cuire. Hop là, il y en a un autre qui arrive. La grenade, pas très bien lancée, c'est dommage. Et il y a deux autres véhicules qui arrivent. Ça va être une quadruple de pénétration en zone. Cinquuple. Oh, toujours plus. J'ai l'impression de me retrouver dans une cave quand j'étais plus jeune. Quoi qu'il en soit, il protège parfaitement sa position. Il attend. Il a une des fenêtres qui est bouchée par un des véhicules. Mais c'est aussi un très bon truc. Parce qu'il a juste à appuyer sur sa touche pour rentrer dans le véhicule. Il n'aura pas besoin de volt et tout. Et ça, c'est un truc de fou. Ok. En fait, et aussi chat, vous voulez savoir comment est-ce que c'est simple de pas repérer quelqu'un qui est un gros fils de pute? Mais genre quand quelqu'un gagne ou quoi, de pas être mort de seum ou quoi. Et peu importe la méta qu'il a joué, se dire que la personne a été plus intelligente que tout le monde et se dire qu'elle a gagné, je trouve que c'est génial. Comparé à beaucoup d'enfants de pute. Alors attention, je vise personne en disant ça, vous me connaissez. Il a pas survolté? Attends, mais il a survolté là ou il a pas survolté? Ça change sup. Ok. Il prend pas de véhicule? Et si, il va prendre de véhicule, c'est obligé. Ok, il avance. Il avance. Il regarde un peu la zone, comment est-ce qu'elle est. Il se dit, putain, c'est un joyeux bordel. Il y a deux véhicules ici, il y en a deux là-bas. Hop, il passe à côté. En vrai, c'est rigolo quand même ce genre de game. C'est vraiment trop marrant. Personne fait ça, tu vois. Bam, il y a tout le monde qui circule. Oh là là, le véhicule qui se retourne. L'erreur à 100 000 balles. Bam. L'erreur à 100 000 balles. Oh mec, ça t'arrive ça. Oh mec, en plus ça t'arrive devant ta communauté et tout. Oh mec, t'as plus qu'à te faire les veines avec un câble USB. Ok. Il temporise sur le bord de zone. Il attend. Ne pas percuter un autre véhicule. Ça fait perdre de la vie aux deux véhicules. Il y a une frappe qui part. Il sait que c'est pas vers lui. Il est tranquille. Ça temporise. Il attend. Il attend. Il a toujours à 3 kills, il temporise sur le bord de zone. Là, c'est une temporisation qu'on voit sur le bord de zone.
Est-ce que ce gameplay vous rappelle un gameplay, chat, que vous avez vu? Là, il voit le scream, il lui dit « Je t'ai vu ». Il va essayer de le percuter. Il va essayer de le percuter, mais il voit pas d'intérêt de se faire tirer dessus. Il a vu le joueur en dessous de la maison aussi. Les deux, sans se parler, ils se mettent d'accord, tu vois. Ils sont en mode... Ils sont en mode, je t'ai vu, je sais que t'es là. Il y a une grenade qui a pété pas loin. Son véhicule a pris pas mal de dégâts. Il va se mettre à tourner autour de cette zone. Il clear cette zone. Et il voit cette voiture. Là, ça va être un duel de couilles. Genre, on dirait pas comme ça, mais là, c'est un duel mental. C'est en mode, je vais pas reculer, fais pas le fou. On est ensemble, tu vois. Et là tu vois par exemple, il a un autre, le joueur qu'il a à côté, c'est super agréable d'avoir quelqu'un comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que ça servait à rien de se fight, qu'il fallait juste gagner des places au classement. Et du coup, alors ça par contre, ça tu refais plus, tu vois. De rentrer dans la voiture comme ça, ça tu refais plus. Là il est en train de le poursuivre en mode, oh t'as fait quoi? On est d'accord? Ils ont baissé la fenêtre, ils se sont expliqués, c'est bon, tu vois, bonhomme. Hop là, là il y a une autre frappe qui part. Donc ils doivent se redéplacer. Logique. Il s'est remis sur le bord de zone. Bam. Petit créneau. Marche arrière. Marche avant. Il repart dans le gaz. Hop. Il se croise encore une fois. Oh, vilain geste. Il est encore rentré dedans. Là il se dit, bon, il n'y a plus que 6 personnes. On était potes. On l'est plus trop. Là il se dit, merde, la frappe elle est partie. Où est-ce qu'elle part? Je me mets bord de plage. Bam, bord de plage, c'est bon. Je l'ai vu sous la maison. Il y a personne qui vient d'être ici. Oh putain, ça a droppé. Oh putain, le FDP. Hop, ça va mettre la voiture en diagonale. Il va sûrement en profiter pour se reshielder. C'est la position parfaite, il est tranquille. Faut juste que l'autre voiture n'arrive pas à ce moment-là. Et l'autre voiture arrive à ce moment-là. Mais elle tourne. Juste, elle mettait la pression. Ça me rappelle mon oncle au repas de Noël. Mais ça, c'est une autre histoire. Il a vu le joueur qui était à droite. Il l'a vu, le joueur qui est à droite, qui va sûrement allumer sa voiture sous peu, s'il lui reste des balles. Et non, il allume l'autre voiture. À sa place, je ferai une grosse rota sur la gauche. Grosse rota sur la gauche. Boum, boum. Il a vu ce bouclier. Il y va. Il y a encore une frappe qui pop. Là, c'est la pression. Bam. Et la rotation à gauche est parfaite. C'est lui qui va être le premier placé en zone. Il va être trop bien. Du coup, il a juste à trouver une position head glitch. Et il sait que potentiellement, il a de fortes chances de gagner. Il prend le coin le plus loin. Ah, il a repéré le joueur. La voiture va être cassée. Hop là. Ça se positionne en dessous. Il est repéré. Il va se cacher dans les cages à poules. Il s'allonge. Ça peut re-shielder. Est-ce qu'il va prendre l'autre voiture qui est là? Ok, frappe de précision qui part. Là, il faut prier tous les dieux. C'est bon. Il est positionné, il a une position incroyable. Là, il va pouvoir prendre son arme et c'est parti pour le slay. 1v1v1. Il a juste à pas tousser pour faire une bonne surprise. Se faire oublier. Il se fait oublier tel le renard des surfaces parce qu'il sait qu'il est en 1v1v1. Il a entendu le joueur à gauche, il a entendu l'autre. Ça, c'est fight. C'est maintenant. La para qui part. La double para. Le push pour la win. Et la victoire! Respect. Meilleur. Il a joué parfaitement. Il a pris ses kills. Il s'est défendu. Je suis content pour lui. Hein. C'est une game à 100 000 balles, les gars. Le but, c'est de gagner. Et c'est ce qu'il a fait. Il a gagné. Donc, même si le gameplay boubou, c'est un gameplay passif, stratégique et tout, il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion derrière. Il a pris des kills et des décals qui étaient super ballsy pour la game. Il mérite de gagner. Donc, bien joué à lui.